Yo les gars, aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Donc une vidéo où on affronte les meilleurs joueurs Switch. Donc pour cette vidéo les gars, on est avec Weeb. Yo les gars, moi c'est Weeb, j'ai 16 ans. Et je joue depuis le début sur Fortnite, donc il y a 2 ans. D'abord sur PS4, mais je passe sur Switch depuis la saison 4. Je fais principalement du créatif, j'ai fait des performances. Donc voilà les gars, donc Weeb, un joueur qui fait principalement du créatif, mais aussi du compétitif. Il a déjà pu récolter 750$ au Winter Royale. On est aussi avec Yubel les gars, donc Yubel. Donc ouais, moi ça fait... du coup je joue sur Switch depuis saison 4. Donc forcément principalement je suis aussi un joueur BF. Donc je fais du créatif. Je joue sur Joy-Con, je joue semi-clos et je fais pas du tout de compétitif. Est-ce que tu comptes t'attaquer au compétitif bientôt? Je pense pas non. Bah si jamais je m'attaque au compétitif, je pense passer PC. Bon bah les gars, on va aller 2v2, on va leur poser quelques petites questions, chill etc. De toute façon vous connaissez, n'hésitez pas à aller voir les deux derniers épisodes où on a affronté les meilleures filles et les meilleurs joueurs mobiles. N'oubliez pas le code créateur LFZ dans la boutique, ça nous fait juste super plaisir. En plus les gars, maintenant on se partage plus le code créateur avec Zebou, donc on est on va dire indépendant. Ouais voilà, on est autonome. Merci à tous ceux qui nous aideront les gars, ça va vraiment nous aider financièrement. Donc là on va vous laisser avec des petits clips de Yuvel et de Weeb les gars, des petits clips basiques etc. Mais si vous voulez voir plus de clips, n'hésitez pas, leurs réseaux sociaux sont en description, donc n'hésitez pas à checker. Bref, c'est parti pour le 2v2, let's go. Donc c'est directement parti pour le 2v2 comme d'hab, comme dans toutes les vidéos où on affronte les meilleurs mobiles, les meilleures filles, etc. On n'est pas là pour prouver qu'on est le meilleur, qui est le meilleur entre Elliot et Lilian et les joueurs Switch sur Fortnite. Les gars, c'est pas un petit inverse réalistique et un inverse bosset qui va prouver le level. On est plutôt là pour vous faire changer les mentalités, montrer un peu, bah, genre parce qu'on est, on dit souvent ouais c'est un Switch en face, genre il est nul, alors qu'en vrai les gars, quand j'ai vu leur clip, je me suis dit ah ouais, tu vois, je suis passé de Ninja Guy à ça. Mais franchement pour 30 FPS les gars, moi j'ai été choqué les gars quand j'ai vu ça. Et du coup toi qui es passé, je crois que c'est Weeb qui est passé de PS4 à Switch, comment ça ce changement de vouloir passer de PS4 à Switch? D'abord j'ai commencé tout simplement sur PS4 parce que le jeu n'existait pas encore sur Switch. Bon ensuite je suis allé sur Switch à la saison 4, quand le jeu était sorti parce qu'il avait atteint, il a été annoncé une convention. J'ai déjà une Switch. Et du coup tu as téléchargé, ça t'a plu direct et t'as décidé d'aller sur Switch? Oui, oui. Et vous les gars, vous jouez direct déjà, est-ce que vous jouez sur votre petit écran de votre Switch ou via votre un grand écran? Et j'ai cru les gars, vous jouez avec votre manette sur votre Switch, genre elle est comme ça. Ouais, elle est collée votre manette à part de la Switch. Je sais pas si vous Moi elle est collée, moi. Ah ouais, elle est collée à la Switch au gros, au milieu d'écran là, genre sur les côtés d'écran, ça. Ok, et toi? Ah ok, à part. C'est vrai qu'il y a des manettes grandes et petites, genre ça, elles s'adaptent aux mains. J'ai vu qu'il y avait un pote, il avait ça, il avait une Switch et elle s'adaptait aux mains, genre la manette. Genre. Oui. Et toutes ces plateformes comme dans les Winter Royale, etc. Vous êtes classé spécial en serveur que des Switch ou un serveur avec les mobiles et les Switch? Ça a toujours été mobile et Switch. Ah oui, ok, les mobiles ils étaient que Switch. Faut pas l'oublier, les gars, qu'on joue contre des gars qui ont 30 FPS. Moi, et qui jouent sur un petit écran, etc. Et voilà, et du coup, voilà. Et tu penses sur PS4 avec une maille PS4, tu te débrouilles tout autant bien ou tu galères plus sûr? Bah, toujours, c'est une question d'habitude. Au bout d'une semaine, je pense que je suis habitué. Et si par exemple, vous pouvez passer PC, vous avez chaud, c'est un peu grappé, etc. Vous passez PC ou vous restez sur Switch? Je passe PC. Bah, moi je passe PC. Aussi, ce que j'ai vu, les gars, c'est que on a cherché, bah, du coup, les meilleurs joueurs Switch sur Twitter, etc. Et bah j'ai demandé de me rebasser meilleurs joueurs Switch et j'ai vu vraiment en fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs Switch, ils sont vraiment ils sont très ensemble, ils sont très bonnes, une bonne communauté quoi. C'est une communauté les gars qui sont vraiment très ensemble,
Genre on avait un gars qui s'appelait, attends, il s'appelait Agro, il était en, de la team Agro. Ouais, en gros il s'appelait Fishlol les gars, c'était un des meilleurs joueurs Switch. En gros il y avait plein de joueurs Switch qui étaient super bons et c'était un peu les plus reconnus. Et ils ont dit quoi? Ils ont refusé pour laisser la place aux plus petits joueurs Switch, par exemple comme comme Yubel et Weeb, pour entre guillemets les faire connaître, vous voyez. Bah, ils sont pas beaucoup et ils sont ensemble, voilà. C'est quoi les gars? Parce que là en vrai on a un gros avantage. Dans tous les cas les gars, on va se mettre à 30 fps, ok? Ah, vous êtes on va les vivre avec vas-y. Vous, les gars. Est-ce que c'est 30 fps? Vas-y, les gars. Après, il y a toujours un écran et tout, donc ça change quand même, hein, vous voyez. On a 30 fps. Allez, les gars, c'est parti, mais du coup, ouais, de se liker. Ouais, mais les gars, ils jouent comme ça, les gars. Ouais, je vois rien, je me suis repris, les gars. Je vois rien, je me suis repris. Et aussi j'ai vu des vidéos de UMS etc. Et du coup, est-ce que c'est possible de jouer que la des souris sur Switch ou quoi? Ouais, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah les gars, c'est impossible. Si une nouvelle Switch sort les gars, il y a la capacité de 144 sur 120 FPS, vous la prenez ou pas les gars? Bah si je peux pas passer, pour moi c'est mieux. Hein. Vous êtes pas sur Switch parce que vous voulez, genre, vous êtes un peu obligé ça. Ouais, voilà. Ouais. Mais pourquoi vous êtes pas passé sur, pas resté sur PS4, vous êtes pas passé sur PS4 parce qu'au final, la PS4 les gars, genre, on peut très bon et après tu vas sur PC, genre, des Lexan, des Slow, si j'ai bien compris, il y en a un bout deux qui a la, il y a une PS4, non? Non, ma PS4 c'est cassé, c'est sur Switch. Ah ok, aïe. Je peux dire. Et tu sais que sur Switch les gars, c'est pour se divertir, quoi, après je parle en gros level, hein. Ceux qui ont une Switch, qui ont une Switch, etc, qui jouent pour rigoler, là ça n'a rien à voir. Mais si par exemple, tu es sur Switch, etc, bah c'est un moyen, on va dire, de faire, de passer le temps, le temps d'avoir un PC ou quoi, enfin. Je sais pas si vous le serez bien, mais je pense que vous avez compris les gars. Vous en pensez quoi de la nouvelle saison les gars? Ouais, la nouvelle saison, vous en pensez quoi? Bon, moi je trouve, enfin, ça change pas grand chose, quoi. Pour ce qui est du BF, comme ça, entre amis, c'est toujours le space 12, mais normalement, d'après les règles, on devrait utiliser le pompe de guerre maintenant. Et quoi en fait du PF ou quoi les gars? Vous faites qu'on des joueurs Switch ou vous faites qu'on des joueurs PC, PS4, etc? Bah en fait en général on fait des Switch, mais pour ce train bah c'est clairement mieux de mettre des PC ou des PS4. Et la plupart de vos potes ils sont sur Switch ou ils sont tous sur PS4 ou quoi? Ouais, sur Switch généralement parce que bah on les a connus sur Switch, hein. Bon les gars, on aurait mis 9 PC normal parce qu'on se cachait, voilà quoi. En plus c'est j'ai l'impression que c'est m'abîmé les yeux. Oh, ça devient un peu chiant, ouais. Genre. Mais voilà, mais je sais vraiment pas comment vous faites, les gars. Est-ce que des fois ça vous saoule les envies de passer PC? Bah, en fait, on va dire qu'on a pas connu plus d'FPS, donc on peut pas vraiment. Du coup, toi, Yubel, t'as jamais connu au-dessus de 30 FPS, que ça soit sur Fortnite? Non, clairement pas. J'ai jamais connu au-dessus de 30. Oh, GG. Franchement, j'ai aucun niveau, les gars. J'ai mis un 190, voilà ce qui s'est passé dans le. Et là, je vais Et franchement les gars, c'est bien là, du coup on va dire c'est forcément en train de gagner, mais c'est pas comme les joueurs mobiles ou contre les joueurs filles les gars. Enfin les joueurs. Ouais, parce que genre imaginons là dans la vidéo contre les mobiles ça a été serré parce qu'ils avaient 120 FPS. Ouais, et là 30 FPS les gars, enfin ouais, c'est vraiment impossible quoi. Après ça veut pas dire que c'est impossible les gars, bon allez, bah qui sert à la pas parce qu'ils vivent. Voilà, c'est pas parce que je les ai battus par exemple pour Protect que je suis un peu au coin. La balle qui a été tuée. Ah, j'ai. Et vous, est-ce que s'il y a une World Cup Switch, ouais, imaginons même. Ouais, une World Cup et c'est pas multiplateforme, c'est que les Switch avec les mobiles. Bah, on va faire une World Cup spéciale PS4, Switch, Xbox, PC. Vous la ferez pas, les gars? Bah, je pense que je la ferai quand même, mais. Après vous pouvez l'argent, t'as vu Winter, t'as payé 750$, je pense que tu peux rivaliser avec un mobile à 120 FPS. Hein. Regarde nous tu rivalises face à nous alors qu'on a 144 FPS. Hein. Et en fin de zone, t'as des grosses paires de FPS ou pas? En fin de zone c'est terrible, hein. Déjà rien que le réalistique c'est. En 4v4 le réalistique c'est injouable. Moi je me dis ils sont 30 FPS, tu peux pas avoir des pertes. Mais alors là, des pertes à 30 FPS, c'est quoi on va dire ton record où t'as été le pire en fin de zone en niveau d'FPS? Zéro. Ah ouais. Est-ce que parfois ça vous fait crash les gars, genre en train de dire ça? Ouais, bah j'ai jamais crash moi. Ça arrive, mais pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Eh les gars, j'ai une question qui est très importante. Alors, quoi, quand vous passerez PC, vous passerez pas manette parce qu'au final vous aurez le réflexe de la manette. Comme sur Switch, c'est un peu comme une manette. Pourquoi pas moi, parce que moi j'utilise le gyroscope sur Switch. C'est en gros quand je bouge ma manette, et bah ça bouge ma caméra. Du coup les gars, en gros ce qu'il parle, en gros il joue, vous voyez ça c'est sa Switch. Ouais, déjà il y en a un au milieu. En gros je vous explique, là il y a la Switch avec l'écran au milieu. Et t'as les manettes, soit tu peux les enlever et tu joues comme ça à part, comme ça tranquille et t'as ta Switch de main. Ou soit tu les joues avec ta Switch, là t'as l'écran au milieu, là tu joues comme ça. Et ben lui ce qu'il fait c'est qu'il joue comme ça. Et quand il tourne c'est comme un volant, c'est ça? Entre guillemets ouais. Un peu, il est avec sa Switch, il tourne comme ça genre comme un volant un peu. Mais c'est une Wii ou une Switch?
En vrai, je savais même pas que ça existait, hein. Ouais, vous nous avez pas dit, on a prend plein de choses. Et du coup, les Winter, tu les as fait sur un petit écran. Et c'était pas dur, genre, de faire les Winter sur un petit écran? Non, il y avait ça d'habitude. Et genre, mobile que je suis sur la tablette, ils jouaient tous allongés dans leur lit. Bah, là, moi, je suis assis. Assis sur une chaise ou dans votre lit? Ouais, sur une chaise. Bon, j'ai fait. Ah ouais, assis sur un canapé, ouais, ça c'est stylé, ça prend ce que je trouvais, c'est qu'il y a une Switch. Ouais, tu peux l'emmener en vacances et tout. Comme ouais, mais après, toi, t'es pas pour tout ça, mais genre, c'est plus que tu peux te mettre où tu veux, genre dans ta cuisine, si t'as envie de manger, en même temps de faire une game pour les toi. Et bah, t'arrives, tu vas dans ta cuisine, tac, tu manges un petit truc, t'as avec ta Switch, tu te mets sur le canapé, tu es en train de dormir, t'es fatigué, tac, tu joues comme ça. Bref, les gars, je pense qu'on va faire d'abord le dernier box fight. Je suis là, salut. Ah non, c'est un truc. Bon, vas-y, les gars, on se retrouve pour le show. Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus et le commentaire. Code créateur NFZ, les gars. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu. Ça nous aide vraiment beaucoup. En tout cas, on compte vous faire encore quelques vidéos de cette série. Et après, on va innover et on va pratiquement plus faire de Fortnite. Parce qu'en vrai, les gars, on va pas se le cacher. Mais l'IRL, c'est ce qui nous pèse de plus en plus. Et surtout, quand tu fais une vidéo contre les Switch, les mobiles, les filles, après, il reste plus que les consoles, etc. Et enfin, tu peux pas tout le temps. Ouais, on va essayer d'innover des consoles, toujours vous faire quelques vidéos Fortnite. Mais beaucoup d'IRL, parce que vous savez, c'est le top. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours beaucoup de live Fortnite. Un grand merci à Weeb et à UB. Non, c'est à Weebel. Weeb, ouais, bref, vous avez compris. Un grand merci à eux pour la participation. Leurs réseaux sont en description, donc n'hésitez pas à les checker. C'était Elliot et Lilian. Allez, ciao ciao. Peace les potes. Commence en été, on part pas en vacances en été. La femme, moi je veux Dookie en léger. Elle sait que j'ai du buzz. Il sortait le gamos en été, on part pas en vacances en été.